Bonjour à tous et merci de partager avec nous votre repas dominical et d'alimenter vos conversations du week-end avec ce que nous vous proposons au menu en attendant lundi. Les convives du jour, Inès Morat et sa journée mondiale, bonjour. Bonjour. Davia Bourgeois et son ADN. Bonjour Laurent Vitagne. On fait dans la science aussi. Didier de Giornano et son smiley. Bonjour. Vous le faites bien le smiley, ouais, c'est très bien. Et enfin le taille-crayon de service Julien Osti. Bonjour. Yo. Tradition instaurée. Depuis hier, on débute toujours par l'actu de la semaine vue par Julien. Vous avez été inspiré par... Alors cette semaine, j'ai voulu revenir sur une étude qui est parue dans l'Express qui nous explique que Ajaccio et Bastia sont les villes les plus sûres de France. Oui, on a vu ça, oui. Du moins au niveau du cambriolage. Mmh. Et d'ailleurs, c'est assez amusant, enfin amusant, c'est pas amusant du tout justement, le journaliste qui a rédigé cet article a l'air même presque déçu d'annoncer qu'Ajaccio et Bastia... Il n'est même pas déçu, il est surpris. Ouais. Mais, et pourtant, oui. Là, dans la croche... Oui, mais si vous retrouvez cet article... Moi, j'y reviendrai. Ah oui. Et voilà. Non, ce que je voulais dire, c'est que il y a une autre étude qui est sortie qui explique que la Corse est la région où le coût de la vie est le plus élevé et où les revenus sont les plus faibles. Donc on aurait pu penser que la misère sociale aurait pu générer logique, de oui. la délinquance. Mais j'ai réfléchi. Si, j'ai réfléchi. Et je sais pourquoi Ajaccio et Bastia sont les villes qui comptent le moins de cambriolage. Quand vous faites un cambriolage, petit tuto, c'est pour voler beaucoup d'objets. Donc il vous faut un véhicule. Oui, c'est le principe. Donc ce véhicule, il faut le garer à côté de l'immeuble qu'on cambriole. À proximité, oui, c'est mieux. Donc il faut trouver une place en ville. Ça devient voilà. compliqué. Donc chez nous, on ne peut pas. Voilà. D'accord. Donc ça m'a inspiré, du coup, ce dessin. Qui apparaît, et donc Ajaccio, ville la plus sûre, donc le gars dit, par contre, on prend que des petits trucs, des trombones, des stylos, non, parce que je suis garé à Mezzaville. Voilà, il va finir au ministère de l'Intérieur, Julien, il a la solution au problème de cambriolage urbain, créer des embouteillages. c'est ça. En tout cas, bon, vous le disiez, ville, dans cette enquête de l'Express, ville la plus sûre en termes du nombre de cambriolages pour 10 000 habitants. Donc Ajaccio et Bastia, premier et quatrième, je crois. Il y avait aussi, bon, si les villes corses étaient dans la moyenne hein, pour les agressions physiques et les vols de voitures, parce que la palme revient dans le sud. Et puisqu'on citait le journaliste, alors je vais vous lire ce qu'il écrit en fin d'article. Il n'est pas surprenant que les deux grandes cités corses figurent en bonne place, car on ne sait jamais à qui on s'attaque en cambriolant une maison sur l'île, et cela calme les ardeurs des délinquants. Je cite. Hein. Ouais. Donc on sent bien toutes les arrière-pensées, on a bien compris le message qu'il voulait nous envoyer. Alors moi j'ai un conseil à lui donner, mais en toute amitié, hein. Confraternel. Vous devriez en arrêter l'écrit et vous consacrer à la photographie puisque vous êtes un amateur de clichés. Voilà, je dis ça, je dis rien. Mais c'est la première de l'année. Exactement. Ça annonce un beau dimanche. Bon. Parlez-en à la table aujourd'hui. Hein, et vous pouvez aussi parler. Un autre sujet de conversation, tiens, exceptionnel, c'était l'actu de cette semaine. La journée mondiale du. Synonyme, je sens qu'on va inciter à une prise de conscience qui va changer nos vies, Inès. Oui, non, mais je sais, là, chez vous, vous dites, ouais, tu es mignonne, merci pour l'info. Non, mais sachez qu'il existe aussi la journée pour habiller son animal de compagnie. J'aurais très bien pu partir là-dessus. Didier, tu sais comment ça aurait tourné pour toi. Alors, journée mondiale des synonymes, je sais, je vous vends pas du rêve, hein, à part les deux, trois du fond qui sont fans de Scrabble, j'ai mon public. Pourtant, l'histoire de cette journée est intéressante, captivante, fascinante, passionnante. Ouais, c'est la thématique. Vous n'exagérez pas. On s'est amusé. Alors, cette journée était en réalité dédiée à Peter Mark Rogers. Alors, ça vous dit rien comme ça, mais on lui doit beaucoup à ce type. Vous vous souvenez au collège, dans les rédactions, quand on vous demandait 1500 mots, à vue de nez, on était à 200 et quelques. Alors, vas-y qu'on y allait sur le pléonasme, vas-y qu'on te dépouillait le dictionnaire des synonymes. Le type qui arrive à caser un anticonstitutionnellement. Moi, je le casais pas justement. Le plus long de la langue française. Voilà, le type, c'était le roi du pétrole. Alors, ça, c'était de l'art. Alors, celui qui est à l'origine de ce dictionnaire, eh ben, c'est Peter, justement, un médecin britannique, théologien de la nature et lexicographe, qui a publié en 1852 la première tentative d'un dictionnaire synonymique. Et notre Peter, il est né quand ?
un 18 janvier. Voilà, vous l'avez. D'ailleurs, surtout qu'on est le 20 aujourd'hui. Oui, bah, oui non, je vous disais, vendredi, c'était la journée mondiale. Il fallait être là au début. Fallait suivre. Bah, alors, c'était vendredi, la journée mondiale du synonyme. Oui, non, mais pour toi, spécialement pour toi. Je vais en même temps. D'accord. Je te conseille. Non, mais suis au lieu de faire des conneries. Alors, spécialement pour toi, tu vas être obligé. Je te conseille l'ouvrage The Manhood Made List, donc, qui explique l'histoire de Roger, l'histoire de la création du Thésaurus. Mais du coup, je me suis dit qu'aujourd'hui, en l'honneur de Peter, on allait revisiter le dictionnaire des synonymes. Je vais vous montrer qu'on peut l'utiliser dans la vie de tous les jours, en société, pour éviter les incidents diplomatiques. Alors, genre. Laurent, ben, je vais tenter une expérience. Mmh. Non, je vais tenter une expérience. Avec vous. On va faire une petite démonstration. On aurait pu prendre un café d'abord, mais. Et bon appétit. Juste un café. Ouais. Voilà, je vais tenter avec vous une petite expérience d'humour ajaxien. Laurent est un professionnel. Par contre, l'équipe, je compte sur vous. À un moment, il va falloir l'arrêter, hein, parce qu'il va nous faire les 26 minutes, sinon. Alors, allez-y, Laurent, on va prendre un cas de figure. Nous sommes en coulisses, on est avant l'émission. Vous voulez me dire que vous n'aimez pas ma tenue. Pure science-fiction, évidemment. Pas du tout. Évidemment. Qu'est-ce que vous me dites? Facile. Il n'y a pas d'acteur studio là. Allez-y. Bon déjà dans les coulisses on se tutoie, hein, c'est pas comme sur le plateau. Oh, tant que d'habits, comme ça te va bien. Merci. Écoute, comme, tu es lumineuse, on dirait le phare de la parade, hein, tout simplement. Hein. Wow. Ah c'est magnifique, ne change rien. Hein. Super. Mm. Ok. Je continue ou... Non, mais non, là on a une très belle reconstitution qui repose sur l'ironie et le sarcasme. Pas du tout. Le problème, non, mais ça, monsieur, c'est que ça ouvre deux possibilités. Ou la personne ne comprend pas et elle est ravie que vous lui ayez fait des compliments. Ça arrive souvent. Ou ça peut mettre fin à une amitié. Laurent, vous m'avez fait beaucoup de peine. Non, moi ce que je vais vous conseiller, c'est de ne jamais dire frontalement à quelqu'un « chérie, tu es dégueulasse ». Non, utilisez voilà. Des synonymes. On ne dit pas « Inès, tu es mal habillée », on dit « tiens, c'est original, c'est un parti pris esthétique, c'est une opinion personnelle. Et c'est ce que j'ai fait, hein? À peu près. Oui, ouais. En plus méchant. C'est non. Vrai. Je vais vous laisser, alors, on reste avec vous en plus, parce qu'on parle de diplomatie, je vais vous laisser avec une dernière astuce. Laurent nous expliquait en coulisses, à Julien et moi, que quand on n'a absolument pas l'intention de passer à une soirée, hein, à laquelle on a été invité, on doit répondre avec un... Autant je passe. Non, parce que Laurent nous apprend les chiffres du métier, nous apprend aussi la vie. Alors, mise en application immédiate, recentrez-vous, mise en application. Oui. Les gars, le bouquin que je vous ai conseillé tout à l'heure. Ah, autant je le lis. Autant on le lit, ouais. Bravo. On va le lire avec... autant se le lit. Ouais, autant. Ouais. Non, mais... ouais, autant, oui. Ok. Mm. Autant, c'est un mot très ajaxien. Autant. Merci, Inès. Ça vous a inspiré, Julien? Oui, parce que qui dit... Qui dit autant. On parle de synonymes. Je me suis dit, Inès, dans sa chronique, elle a casé plusieurs synonymes. Donc, elle a dû réfléchir, j'imagine, aux synonymes de Laurent Vital. Moi, je l'ai trouvé. Nagui. Presque, oui. Michel Drucker. Oh. Ah, question de longévité, oui. Bon, il fait... Non. Vous faites du vélo. Non, on va continuer l'exercice. Comme il est bien, ce dessin. Un bijou. Autant tu reviens la semaine prochaine. Alors, autant samedi, tu passes. Autant. Passons au geek de ce week-end, Didier. Alors, on dit emoji ou emoji. Hein, la polémique ne s'est pas faite autour de la prononciation. Mais sur le coup de la création d'un, ce que j'appelle moi un smiley, hein, mais un emoji saucisse ou l'âne. Alors, vous allez nous expliquer comment ça marche, en fait, la création d'un emoji. Exactement. Laurent, les autres. C'est bien. Ouais, très bien, tu parles. Patron. Faillot. Donc, souvenez-vous, fin novembre, il y a une info sur un budget de 50 000 euros qui est sorti, là, comme ça, du néant. Et il faut dire que ça a quand même bien foutu le bordel auprès de tout le monde, parce que niveau timing annonce, on s'est dit c'est pas super, parce qu'on est quand même la région de la France la plus pauvre. Donc, on s'est dit c'est peut-être pas le meilleur moment pour. Je l'ai dit. Voilà. Ah oui, merci. Oui, tu as vu, on travaille ensemble. Merci. Donc, bon. Ok, comment on fait? Comment ça se passe? On verra bien. Mais un emoji, qu'est-ce que c'est, Laurent? Oui, parce que c'est vrai qu'il a été, c'est vrai qu'il a été dit tout et n'importe quoi autour de cette affaire de l'emoji. Oui. C'est surtout que tout le monde ne sait pas ce que c'est un emoji. Oui. Donc, vous allez sûrement me poser la question. Oh, c'est quoi un emoji? Non, il ne fallait pas le faire. Il n'y avait pas de relance, j'enchaînais. Donc, en fait, c'est juste une des aidés. Aucune reconnaissance. Non, mais laissez-nous couler. Voilà. Je vais y aller, moi. Arrêtez de me tenir la main. Laissez-moi courir et gambader. Donc, c'est tout simplement une petite image. Ouais. Donc, c'est une petite image qui permet de communiquer, qui exprime
une émotion ou autre. En gros, ça permet aux gens de ne plus faire de messages ou ça permet de ne plus écrire une phrase correctement, le fameux langage SMS. Donc c'est très rapide. Exemple, exemple d'emoji. On ne répond plus à une blague par message de Laurent Vital par « je pleure de rire ». Il y a l'emoji qu'on va voir à l'image avec le petit sourire et les larmes qui coulent. MDR. Le fameux MDR. Autre exemple, quand on vous propose de venir manger une petite escalope à la maison le soir, on ne dit plus « désolé, je suis végane », on passe ces deux emojis, l'emoji « désolé » et ensuite « aubergine » par rapport au végane. Ah ouais. Double sens sur l'aubergine, je préfère vous prévenir selon le contexte et l'heure, je regarde la caméra, les ados, je vous vois. Je vous juge, arrêtez, arrêtez. Mais attends. Ça veut dire que quand je demande à ma mère de me faire des aubergines farcies, et qu'il faudrait le plus vite, je l'envoie un texto avec des emojis. Et que j'envoie les aubergines. Chacun... Qu'est-ce qu'elle est censée comprendre, en fait? Mais moi, Didier m'envoie régulièrement cet emoji, j'ai jamais compris. Ah, d'accord. Vous arrêtez avec ça, tout de suite, hein. C'est bizarre, ce dimanche midi. Donc, 53 000 balles pour une petite image, ça fait quand même beaucoup. Surtout, donc, comment ça se passe? Donc, en cherchant des infos, je suis tombé sur un article sur le magazine numérique Slate, qui nous explique un peu tout. Donc 50 000 euros, c'est un budget prévisionnel maximum. Donc c'est-à-dire que ça peut coûter un petit peu moins cher. 8 000 euros sera pour la campagne de mobilisation sur Facebook, sur Internet, parce qu'on va prendre un consultant externe. Mmh. Ensuite, il y a 12 000 euros pour la rédaction d'un dossier, 14 000 euros pour le lobbying et leur monter la seigle, en gros, parce qu'un plateau de charcuterie, à un moment donné, ça ne va pas trop marcher. Logiquement, si tout se passe bien, bonne nouvelle, cofinancement avec les fonds européens qui vont prendre la moitié du budget, donc ce serait plutôt pas mal. Et en fait, il faut envoyer un dossier à un grand organisme qui s'appelle Unicode. L'orange, c'est bon. Je vais expliquer ce que c'est Unicode. Donc, l'organisme Unicode, c'est une association à but non lucratif, un truc de mytho, donc. C'est basé en Californie, là où on est bien, c'est sûr. Ils ne vont pas être à Bigou ou à Bogonian, sans vouloir être péjoratif. Ça va faire des amis aussi. Ouais. Donc, ça regroupe les gens. Faut créer un peu le buzz. Donc, vos questions lobbying, c'est pas votre truc, hein, ça se voit tout de suite. Ça. Mais excusez-moi, de toute façon, on est sur des chiffres et des lettres, là. Vous êtes Laurent Meschko depuis le début. Vous allez mal finir, hein, tout ce que vous êtes aujourd'hui avec. Ben, c'est bien, on leur a fait deux émissions. Ce sont les géants du numérique comme Adobe, Netflix, Spotify, Deezer, entre autres, qui vont prendre le. Qui vont tout diriger. Il y a aussi surtout la GAFA. GAFA, c'est Google, Apple, Facebook et Amazon, donc ceux qui dirigent un peu le monde. Une fois que ce dossier a été présenté à une première commission, si tout est en règle, il est présenté à la deuxième commission, la fameuse grande commission. Pardon. Le dossier donc se retrouve devant les boss et en fait eux ils choisissent par an. Ouais, c'est pas mal ça. On ne pas pour ce que vision. Non, n'insistez pas. Ok. En fait par an maintenant ils prennent entre 120 et 130 emojis. Donc ça fait pas grand chose. Mais il faut quand même pour que le dossier soit accepté environ 2 ans. Donc ça équivaut à peu près le temps d'attente quand vous appelez une administration et qu'on vous met la petite musique d'ascenseur. Donc si on est accepté, par contre là on devient associé et nous aussi on va prendre la décision sur les futurs emojis, ce qui est plutôt pas mal. Du coup, on va faire simple, si on devient associé, c'est un peu comme moi quand je veux rentrer en boîte, je claque la bise au videur et là du coup je vais rentrer, j'ai plus la pression de dire putain j'ai des baskets, je suis moche, je suis bof, là je rentre. Donc du coup, on peut se dire que c'est plutôt pas mal parce qu'il y a des milliards de gens qui vont voir le drapeau corse, les maudits, et donc on va se dire, il y a tout le monde qui va l'utiliser, c'est super. Donc du coup, ça va faire plus de monde qui va venir sur la plage pour se coller à vous. Ouais. Donc, chacun va se faire un avis. Tout ça grâce ou à cause d'un emoji, vous pensez? Oui, et oui, parce que ça sera peut-être dans le meilleur téléphone. Du coup, moi, je me dis que pour qu'il soit vraiment utile, il faudrait qu'il soit vivant. En fait, il faudrait qu'il flotte tout ça, parce que si c'est comme le mode avion. On a bien vu que le mode avion, on ne voyage pas. Hein. C'est juste pour se couper du monde. Je l'ai perdu, moi. J'ai voyagé. Là-bas, ouais. Je suis partie, je suis revenue. Voilà. On a voyagé. Bébé. Vous avez tout mon soutien. Je ne vais peut-être pas revenir avec Julien la semaine prochaine. L'emoji. Longue histoire. Quand ça sera accordé, vous ne revenez pas avec. Hein, vous êtes gentil. Pas merci. De problème. Enfin, bon, si vous m'enverrez un petit emoji hein, sur le téléphone. Emoji Corse aubergine. Ben moi, j'aimerais revenir justement sur l'emoji aubergine. Ouais. Ça m'a plus d'histoire, ça m'a donné l'idée de faire un dessin. Oh non. Mais oui. Ben, je suis là pour ça. Hein, en même temps. Ah, c'est ça. Non, c'est parce que je viens de le voir. Donc, j'imagine l'aubergine qui dit « Ah, si tu savais à quoi que compare. » Et l'emoji caca qui fait « Ah, ça va. » Voilà. Bon appétit toujours. Voilà. Je la voulais conviviale, cette émission rassembleuse. C'est bien parti.
Davia. Oui, Laurent. Relevons le niveau, si vous le voulez bien. Relevons un petit peu le niveau. Parlons d'ADN. Mais ADN, on dit qu'est-ce que c'est ou qui est-ce ? Qui est-ce, puisque c'est une femme. Le plus grand explorateur du monde est une femme, c'est Alexandra David-Nel. Alors moi, je l'ai découvert totalement par hasard en buvant un thé qui portait ce nom. Prenez exemple. Non, c'est en buvant un très bon thé des voyageurs, comme on dit, qui s'appelait Alexandra David-Nel. C'était l'année dernière et je ne connaissais pas du tout cette femme. Alors je me suis penchée sur son destin et en fait, j'ai été très fan et j'ai retrouvé beaucoup de points intéressants, une vie très riche. Alors, elle a vécu quasiment 101 ans, puisqu'elle est née en 1868, elle est morte en 1969. Donc, c'est une fan de Laurent Vital. Une fan. Enfin, peut-être qu'elle était jeune, sa grand-mère était peut-être fan. Et donc, c'est un peu... c'est l'année Alexandra David-Nel, où on découvrira à travers le monde, en France et peut-être en Corse, on ne sait pas, des expos qui lui seront consacrées. Alors, pour revenir un petit peu sur son parcours, alors orientaliste, chanteuse d'opéra, féministe, l'aventurière Alexandra David-Nel, qui aurait eu donc 150 ans, avait plusieurs cordes à son arc, Laurent Vital. Ça vous plaît bien, ça. Tout à fait. Ça vous plaît. Vous n'êtes pas un peu féministe, Dave? Complètement, pas qu'un peu. Un modèle. Mais elle est surtout connue pour un exploit qu'a fait Alexandra David-Nel. Elle est la première européenne à être entrée dans Lhasa, la capitale du Tibet, interdite alors aux étrangers, et s'est déguisée en mendiante qu'elle a réussi à se fondre parmi les Tibétains. Alors, elle a débuté sa carrière comme cantatrice ou ça en Indochine. Plus jeune, après avoir étudié le piano et le chant au Conservatoire Royal de Bruxelles, elle devient première chanteuse d'opéra à Hanoï, en Indochine, durant deux saisons. Elle y a notamment interprété des rôles majeurs parmi l'œuvre de Verdi, de Bizet ou encore de Massenet, avec qui elle a entretenu des rapports épistolaires, Laurent Vital. Jusque-là, je suis... Elle a connu un certain succès, donc. Un très grand... Succès d'estime, on va dire. Un succès d'estime, notamment en allant à Lhasa, au Tibet, parce que ça a été la première femme à commettre cet exploit, j'ai envie de dire. Alors, une conversion au bouddhisme à 21 ans, elle découvre le bouddhisme au musée Guimet à Paris, un musée dédié aux civilisations, comme vous le savez, civilisations asiatiques. Elle se convertit donc au bouddhisme à 21 ans. Elle assiste en 1898 à une cérémonie dans ce même musée en présence de l'homme d'État Georges Clémenceau. Et c'est lors d'un voyage en 1912 que l'aventurière complète ses connaissances en bouddhisme dans plusieurs monastères, c'est en Inde. Et le prince, chef spirituel du Sikkim, lui demande ainsi de l'aider un petit peu à réformer le bouddhisme qu'il trouve un petit peu arriéré. Alors, un parcours de plus de 2000 km en quelques mois. Elle a marché plus de 2000 km, c'est énorme, d'octobre 1923 à février 1924, avec son fils adoptif, Yongden. Elle était donc, comme je vous le disais, déguisée en pèlerine tibétaine, mendiant sa nourriture et se comportant comme les femmes les plus pauvres du pays. Donc, c'est un caractère quand même. Hein. Un caractère, et juste pour terminer, Laurent, un symbole du féminisme. Elle a été également journaliste, puisqu'elle a écrit dans le journal féministe La Fronde, dirigée et fondée par la féministe Marguerite Durand. Elle a lutté pour l'émancipation économique des femmes, cette Alexandra David-Nel, et elle va s'éloigner un petit peu des féministes, puisqu'elles étaient en majorité issues de la classe bourgeoise, tout ce que détestait Alexandra David-Nel. Donc ça vous a plu ou pas qu'elle s'éloigne des féministes à la fin de sa vie ? Des féministes bourgeoises, voilà. Pas des féministes. Des féministes bourgeoises. Voilà. D'accord. Même si je suis un peu féministe bourgeoise. Surtout féministe bourgeoise. Voilà. Merci Davia. Merci Davia. Petit tour de table, hein, évidemment. Ben, je vais commencer d'abord avec un dessin de Julien. Moi j'ai fait un dessin, parce qu'on parle quand même d'une personne qui a 100 ans, qui aurait eu 150 ans. Donc à quoi pourrait ressembler sa biographie ? Alors, voici le bouquin. Mais là, c'est que les 10 premières années de sa vie. C'est vrai qu'elle a eu, on l'a bien compris, une vie dense, riche, effectivement. Bah, puisque vous avez la paluche, le dessin et bonjour. La parole, cette semaine, vous nous proposez quoi-t-il à faire ? Découverte. Alors, on parle littérature, c'est bien. J'aimerais lever un peu le niveau, autant pour moi. Mais... Pourquoi j'ai peur tout de suite ? Je vais vous présenter un coup de cœur, je pense que c'est du coup de cœur de l'équipe, je pense que ça peut être aussi le coup de cœur de Viastel et de son directeur des programmes, Philippe Martinet, pour ne pas le citer. J'ai envie de vous présenter le très militant Choupi prend le train. Alors,
vous verrez pourquoi très militant, mais c'est une histoire assez folle. Il faut le savoir, incroyable histoire où Choupi prend le train et il y a un nombre de personnages incroyables, au nombre de délirants de 4, hein, le papa, la maman, le bébé et Choupi. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce livre ? Déjà, gros avantage sur le dernier Houellebecq, les pages sont plastifiées, donc c'est-à-dire que le lecteur peut vomir sa purée de carottes, un coup de chiffon, c'est réglé. Dites-moi, vous avez des enfants bas âge, je suis bien. Oui, en fait, j'en ai trois. Vous avez piqué le bouquin dans la collection de vos enfants, c'est bien ça ? Oui. C'est pas beau, ça. Donc, mais il est très militant quand même, parce qu'on peut voir qu'en filigrane, l'auteur a voulu parler de la réforme de la SNCF. On le voit, ça. Du pass Navigo trop cher. Au cas où ça vous avait échappé, on est quand même passé d'Alexandra David-Néel à Choupi prend le train. Merci, Julien. Je suis là pour ça. Dave, reprenez la main, va. Alors, très pas facile après Choupi. Hein. Ça va être assez compliqué. Moi, je vous le souhaitais vous parler du dernier opus de Patti Smith, Devotion. À la question pourquoi écrivons-nous Patti Smith, Patti Smith répond parce que nous ne pouvons pas simplement vivre. Et son dernier livre, je vous le conseille vraiment, Laurent, il en donne la plus belle preuve, la plus audacieuse aussi, écrit entre Sète et Paris. Devotion est un conte glacé et brûlant, l'histoire d'une jeune Estonienne dont les parents sont morts en camp soviétique, qui va nourrir une véritable passion. Pourquoi ? Pour le patinage artistique. Et Patti Smith va se pencher également sur l'inspiration. Elle dit l'inspiration est la quantité imprévue, la muse qui vous assaille au cœur de la nuit. Elle parle également de ses admirations, elle parle de son inspiration par Simone Veil, Patrick Modiano ou encore Albert Camus. Et pour vous donner envie de lire cet opus signé Patti Smith reprend les mots de Virginia Woolf qui dit « Si vous ne dites pas la vérité sur vous-même, vous ne pourrez pas la dire sur les autres ». Alors donc moi je pense que je vais rester. Ouais, mais je pense que je vais rester sur Patti Smith. Quant à Choupi, attention running gag. Autant je le lis. Autant je le lis. Allez, à voir cette semaine sur Via Stella. Ne ratez pas. Vendredi prochain sera le 25 janvier à 20h45. Un très beau documentaire. Il est signé Francesco Artigli. Ça raconte un peu l'histoire et ce parcours de vie de ce jeune homme qui a purgé une peine de prison pour terrorisme et qui rentre chez lui en Corse. Et son grand-père vient de décéder et lui laisse sa terre en héritage, ce lieu qui va agir comme un catalyseur d'un désir de changement de vie. C'est aussi un champ d'expérimentation pour prendre un nouveau départ dans la vie. Il y a beaucoup d'émotions dans ce documentaire. Il va être donc diffusé sur Via Stella vendredi prochain, mais regardez-en un tout petit extrait. Ça fait bizarre quand même de revenir. Et puis, ça n'a pas été évident parce que même après être revenu, au bout de 4 ans, j'étais toujours interdit de la commune. Ça veut dire que j'étais libre, mais je ne pouvais pas rentrer chez moi. Le terrain de mon grand-père, je n'avais pas le droit d'y aller. Et ça, c'était vraiment difficile. Déjà pour mon grand-père, lui faire comprendre que je suis libre, mais que je ne peux pas monter le voir, ça c'est quelque chose qui le révoltait et qu'il a eu beaucoup de mal à accepter. J'ai purgé ma peine et pourtant j'ai pas le droit de venir te voir. C'est vrai que ça a été très dur. Histoire de vie, un beau documentaire donc signé Francesco Artigli à voir sur Via Stella vendredi. On sera le 25 à 20h45. C'est mon conseil télé de la semaine. Inès. Oui, moi je vous conseille de ne pas louper la web série hebdomadaire BuzzFeed Unsolved. Alors c'est diffusé. Ah oui, je connais ça, oui. C'est vraiment? Oui. Ça, c'est diffusé en ce moment, regardera ensemble. C'est diffusé sur YouTube. Non. Alors, BuzzFeed Unsolved, si, vous allez voir pourquoi. Je vais vous dire pourquoi, non. Non, mais ça parle de crime, déjà. Ouais. Alors, je vous donne le concept. On a deux types assis derrière un bureau. Hein. Pour illustrer l'émission, ils font quoi? Est-ce qu'ils font des reconstitutions? Est-ce qu'ils balancent de l'image de synthèse? Non, hein, non. Ils balancent juste un PowerPoint, voilà, vite fait, plier ses faits. Et pendant une demi-heure, alors, ils nous parlent donc d'affaires non résolues. Du coup, les émissions, elles se finissent comment? Voilà, c'est une affaire non résolue. Ouais. Et en plus, c'était déjà dans le titre, donc on le savait. Donc là, il y a gros concept. Hein, je dis bravo. Rien, voilà, non, rien. Je dis bravo et je dis allez voir quand même. On ne sait jamais que ce soit vraiment bon, du génie. Par contre, faut maîtriser l'anglais. Il y a aussi une version sport. Là, ils ne sont pas derrière un bureau, ils sont dans un pub et ils refont
Comment on appelle ça, les fameux complots, le conspirationnisme autour du sport, des matchs truqués, etc. Enfin, ils disent franchement n'importe quoi, quoi. Oui, ils disent n'importe quoi. Mais c'est amusant. Allez, voilà, si vous vous posez des questions, vous n'aurez pas les réponses. Donc, voilà. Allez-y. Concept. Tiens, puisqu'on parlait de sport, une idée sport peut-être cette semaine. Oui, forcément, c'est moi qui parle de sport avec ce petit corps de jeune et faible que j'ai. Vous notez bien que j'aime ça et que je ne le pratique pas. Samedi prochain, à 20h au Palatine, il y a le volleyball. GFCA, Nice, il faut à tout prix y aller. Je ne sais pas si les gens sont au courant, c'est quand même l'équipe dans un sport collectif qui est le plus titré. Il y a quand même trois titres. Oui. On a fait une phase d'aller qui n'est pas terrible. Là, on a envie de repartir sur de bons rails. Il y a l'ami Jeff Exiga, il y a l'ami Laurent Vital qui tourne avec un micro et qui dit choses un petit peu. Non, on a arrêté le micro. Ah oui, bah, ils ont compris, ça y est. Ouais. Et donc, c'est un sport, en plus, vous pouvez y aller vraiment seul, en couple, en famille. Donc allez-y, ça vaut le coup, vous allez avoir du grand spectacle. Autant y aller, puis faut toujours soutenir un petit peu le sport corps, surtout quand on est dans l'élite. Exactement. Tous les sports, effectivement, et qui brillent au plus haut niveau. Alors là, pour le coup, autant je passe. C'est... autant je passe. D'ailleurs, il joue cet après-midi le GFCA, mais ça ne vous a pas échappé contre Tours. Le champion de France, Tours. Merci les amis. Exact. Le palmarès de la sécurité, Peter Marc Roget, la journée des synonymes ou des émojis. Autant de discussions que vous aurez peut-être après cette émission, donc refaites le monde, mais surtout refaites le bien. Juste un petit merci, un gros merci d'ailleurs à Davia qu'on va retrouver très très vite dans Popcorn et Mauvais Soir. Merci d'avoir été avec nous pour les premières deux. En attendant lundi, on vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve samedi. Merci les amis. Thank you.